Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sainte Night Club. Alors, au programme ce soir, bien sûr, débrief du match de ce week-end contre Nîmes. On va se pencher en détail sur ce qui a marché et ce qui a moins marché. On parlera bien sûr du prochain match contre Quevilly-Rouen. Et puis période estivale oblige, on fera un point avec Clem sur où en est le mercato à l'instant T. Et on a des infos bien sympas by Saint Inside, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. Pour m'accompagner ce soir, quelqu'un qui a tenu la main à Bafé Gomis en ramasseur de balles, puis qui lui a tenu le crachoir en tant que journaliste. Rebonsoir et re-bienvenue Antoine Chira. Salut tout le monde. Comment ça va ? Eh ben ouais, plutôt surpris par ta présentation, ça fait toujours plaisir. Surpris. J'avoue que je suis pas allé la chercher très loin, hein. C'était le tweet épinglé sur ton profil Twitter. Exactement, ouais, non, bah c'est les belles petites histoires qu'on est content de raconter, donc on les met en avant, c'est toujours ça. Exactement, la belle histoire, comme Green, avec son numéro 42. Avec nous également, le milieu créateur du Sainte Night Club, toujours une attitude positive, un mec avec qui il est agréable de manger et boire des coups, et non, je ne parle pas de Pascal Feindouno, mais bien Hervé de l'Aubrac. Bonsoir Hervé. Salut Keun, bonsoir à tout le monde. Ben, ravi d'être là, de retrouver le SNC en Ligue 2, partout, toujours. Bon début, c'est cool. Bon début de saison à toi, c'est ta reprise pour toi ce soir. Exactement, c'est la reprise ce soir, donc on va tâcher de faire honneur. Ouais, ben, on va essayer d'être plus d'attaque que notre équipe ne l'est en ce début de saison. Et enfin, celui qui pourrait emmener tout le SNC en vacances au Portugal, il sera là pour faire remonter les remarques les plus intéressantes du chat. Bonsoir Karl. Je suis pas sûr d'avoir compris la vanne, mais salut Keun, salut tout le monde, salut le chat. T'as pas compris pourquoi tu pourrais emmener tout le SNC en vacances au Portugal ? Non, mais je suis pas sûr de vouloir savoir. Bah, les vacances au Portugal en car, Lusso, la ville de Lusso au Portugal, et on y va en car. Mais t'es trop loin pour moi, Keun. Le car. Oh purée, non. Oh mon car. Dieu, je vois. Putain, oh mon Dieu. Bref, oui. Ok. Ça pique à l'entrée, ouais. Voilà, allez, c'est parti. Première partie, débrief. Active Sainté Night Club, le débrief. Pardon, j'étais de bonne humeur, je sais pas ce qui m'a pris. On va commencer cette émission donc en parlant du match contre Nîmes, donc qui s'est soldé par le score de 1 partout. J'imagine que vous avez vu le match dans ce Geoffroy Guichard, malheureusement à huis clos. On a marqué par l'intermédiaire de Jean-Philippe Crasso sur penalty et vous voyez la composition de début de match à l'écran avec les notes qui ont été attribuées par la rédaction de Sainté Inside. On a eu un retour au 4-2-3-1 qui a été justifié par Laurent Batless en conférence de presse. Est-ce que ce retour au 4-2-3-1 vous a plu et si oui, pourquoi ? On commence avec toi, mon cher Hervé. Alors, ce qui m'a plu, c'est la réactivité de Laurent Batless à changer de dispositif. Je pense que ce changement-là, ce n'est pas quelque chose qui va être définitif. Il avait été très réactif déjà sur le premier match en faisant des changements à la mi-temps. Là, il a été réactif puisqu'il s'est rendu compte par la force des choses, par le manque de talent et de profil qu'il a à disposition dans l'effectif, que son schéma préférentiel, à savoir le 3-4-3, il allait avoir du mal à pouvoir le mettre en place. Donc j'ai bien aimé moi qu'il s'adapte un petit peu aux joueurs qu'il a à disposition en attendant la fin du mercato. Il l'a dit déjà il y a quelques semaines, c'est au 1er septembre vraiment qu'on pourra commencer à juger et à parler vraiment tactique et schéma de jeu. Donc voilà moi ce qui m'a bien plu. Autre chose qui m'a plu, c'est on va dire l'attitude globale de l'équipe. C'était quand même mieux que face à Dijon. Alors bien évidemment on pouvait pas faire pire, hein, ou alors fallait déclarer forfait, mais voilà, on l'avait dit la semaine dernière au SNC, ça avait été d'ailleurs très brillamment relayé dans le chat par Joss Randall, beaucoup de supporters s'arment de patience sur ce début de saison, attendent la fin du mercato, attendent voilà, les départs de certains joueurs qui se voient plus à Sainté, si tant est qu'ils s'y sont vus un jour. Donc voilà, moi j'ai aimé l'état d'esprit en progrès, puisque c'était ce qu'on appelait la semaine dernière de nos voeux, à savoir voir une équipe qui progresse. Donc là, on part de très loin, mais j'ai trouvé voilà, qu'il y avait un petit peu de mieux. Donc réactivité de Batless et un état d'esprit quand même plus positif.
Ok, donc dans l'ensemble, quand même plutôt satisfait de ce changement tactique. Antoine, t'es d'accord toi aussi, ça t'a plu le fait que Batless s'adapte rapidement? Ou au contraire, je sais pas, peut-être que tu pourrais déjà reprocher un manque de stabilité, je sais pas. Dis-moi ce que t'en as pensé. Non, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, ce 3-5-2, ce 3-4-3, il me convenait pas du tout parce que on l'a déjà vu la saison dernière. Nadé, par exemple, a du mal dans cette position-là. J'ai pas trouvé Briançon très à l'aise le premier match dans cette position-là non Ouais. plus. Giraudon, c'est peut-être celui à qui ça conviendrait le mieux dans ce rôle de libéro un peu reculé. Mais pour autant, il est un petit peu en manque de rythme encore, notre ami Giraudon. Donc il faut qu'il retrouve des repères. Et là, mine de rien, même si l'équipe de Nîmes était moins tournée vers l'offensive que Dijon a pu l'être la semaine dernière, on a quand même vu une plus grande stabilité. C'était pas non plus énorme encore une fois, hein, mais on a vu un peu plus de stabilité. On a senti des joueurs qui avaient l'habitude de jouer à leur poste. On a vu des latéraux qui étaient des vrais latéraux, des défenseurs axiaux qui étaient des vrais défenseurs axiaux qui jouaient à deux. Donc ça nous a permis de concéder très peu d'occasions, mine de rien. Nîmes a très peu frappé à la cage. J'ai pas la stat en tête, mais c'était pas Étienne Green n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Donc voilà, la réactivité, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on attendait. On a tellement eu peu de réactivité ces dernières années, que ce soit avec Claude Puel ou avec Pascal Duprat, à s'enfermer dans des schémas, à s'enfermer dans des joueurs qui marchent pas. Là, la semaine dernière, au bout de 45 minutes, Youssouf et Masson, ça allait pas du tout. Ils sont sortis. Le match d'après, tout de suite, il a compris que ça allait pas le faire comme ça dans ce dispositif, encore plus avec l'absence de Briançon sur le moment. Donc il a changé. Donc voilà, ça nous donne du baume au cœur. Moi, ça me fait plaisir de voir un petit peu un entraîneur qui est dans l'action immédiate et pas dans la réaction au bout de 4, 5, 6, 7 matchs à se rendre compte que ça marche pas. Oui, même s'il est a priori parti pour être là un petit peu pour le long terme, il faut pas prendre trop de retard parce que je vous rappelle quand même qu'on part avec moins 3 points et que donc avec ce point du match nul, on est à moins 2 points. Vous avez un petit sondage dans le chat pour nous dire si vous êtes satisfait du retour au 4-2-3-1, alors qui a priori est un retour provisoire, hein, Batless l'a dit en conférence de presse. C'est pas le système qu'il voudrait mettre en place pour cette année, mais pour l'instant, avec les joueurs qu'il a à disposition, c'est ce qu'il peut faire. Ça dépendra des recrues, je pense, surtout de la part de Laurent Batless, de voir qui arrive, qui part. Sergi Palencia et Gabriel Silva, c'est pas forcément des joueurs qui à la base voulaient être conservés par Batless au début quand il est arrivé. Finalement, Gabriel Silva, on a vu qu'il a fait son match. Sergi Palencia, il manque encore un petit peu de mordant, mais moi je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Voilà, on le sait que c'est son dispositif avec trois axios, mais ça pourrait peut-être évoluer durant la saison en fonction de comment se passe le mercato. Qu'est-ce qui ressort dans le chat sur l'animation et sur le système qui a été mis en place? Bah, l'avis général du chat, c'est de dire que avec l'état actuel de l'effectif et faute de recrues, notamment offensives, et sur les côtés, c'était compliqué de rester à un système à trois défenseurs. Donc le passage au 4-2-3-1 satisfait plutôt. Sinon, dans les commentaires, il y a Goloris qui nous dit dans les phases défensives, j'ai revu le but qu'on prend contre Nîmes, il y a énormément d'erreurs. Il y a Soccer Populaire qui nous dit dans cette compo, idéalement, on doit garder seulement 4 joueurs titulaires. Vers 85-77 qui est pas convaincu et qui dit il n'y a que eu des passes latérales et quel manque de rythme. Et enfin il y a Magic Power qui parle de Batless et qui dit ce qui est bien c'est que Batless n'est pas buté à rester uniquement sur son dispositif à forcer, il sait qu'il n'a pas les profils pour et ça chapeau. Ouais. Voilà. C'est le fameux il faut mourir avec ses idées ou pas. Par rapport à ce que disait Golorix sur le fait qu'il y ait plein d'erreurs sur le but qu'on encaisse, on va y revenir juste après. On va d'abord, je vais vous poser d'abord la question de vos tops et vos flops. Qui est-ce que vous retenez si vous devez retenir un top et un flop chacun? Qu'est-ce que ça serait, Hervé? En top, Lobry, Ouais. parce que lui, pour le coup, c'est le vrai joueur qui pue le foot maintenant. On sent que sur ses prises de balles, il a une grande variété dans son jeu. Il peut jouer court, il peut jouer long. Quand c'est court, c'est des bonnes passes, pardon, claquées au sol, c'est précis. Il joue beaucoup en première intention Alors, également, à une touche de balle, en déviation. je te coupe, mais claquer au sol de nos jours, ça veut dire nul, nul. Ça veut pas Oui, dire. non, mais pour la passe qui est bien claquée au sol. C'est Ouais. quelque chose. Je suis vieux, hein, c'est Ouais. peut-être. Pardon. Mais donc voilà, des passes précises, capables de jouer à une touche de balle, une bonne qualité de centre, une bonne qualité également sur les coups de pied arrêtés, puisque c'est lui qui a pris les corners plutôt sur la fin de match.
Donc Lobry, ouais, clairement, je pense qu'il va monter en puissance. Lui aussi, une fois qu'on aura toutes les recrues à disposition, je pense qu'il va arriver à trouver des circuits préférentiels et de bonnes affinités techniques avec d'autres joueurs. Moi, j'ai bien aimé Silva. Silva, dans son implication, dans son sérieux. Après, bon, ça reste Gabriel Silva. Ce que j'ai bien aimé là, c'est qu'il a fini le match. Il n'est pas sorti sur blessure. Et ça, avec Gabriel Silva, c'est quelque C'est chose à qui est noter. assez rare pour être noté, effectivement. Et puis après, en troisième top, j'en ai pas réellement. Après, je trouve que c'était un petit peu quand même. C'était un petit peu lent, ça manquait de rythme, de créativité. Bon, Crasso, parce qu'il a le mérite de mettre ce penalty. Mais voilà, pour les tops, pas beaucoup plus. Et sur les flops, si j'enchaîne, Neyou, Ouais. parce que lui, pour le coup, bah, dans l'attitude, dans la combativité, j'ai pas trouvé très, très concerné. Mais ça fait longtemps que ça dure. Et puis, flop et grosse déception, en plus du flop, c'est Nadé, qui avait tenu la baraque l'année dernière, qui en avait surpris plus d'un, et qui là, pour le coup, en deux matchs, ben, on retrouve pas du tout le Michael Nadé de la saison dernière. Je le trouve emprunté, je le trouve maladroit, pas toujours très bien placé, des fautes bêtes, comme Neyou aussi. Donc voilà, là pareil, j'en ai pas trois vraiment des flops, mais plutôt ces deux-là, quoi. T'es d'accord, Antoine, par exemple, sur Nadé, on en parlait un petit peu juste avant le début de l'émission. Nadé, c'est la déception pour l'instant de ce début de saison pour toi aussi? Oui, bah, c'est triste de se dire que l'année dernière, on reposait sur Nadé. Hein, il découvrait la Ligue 1 et mine de rien, c'est celui qui nous avait, qui a tenu la baraque, comme l'a dit Hervé. Ouais, il vit un début de saison compliqué, c'est sûr. Hein, mais j'ai pas non plus été beaucoup plus convaincu par Giraudon, moi, sur ce match. Ouais. Je vois vos notes en même temps que je parle. Là, 5 sur Giraudon, moi, je trouve que c'est très clément. Je le Comme trouve trop Jérémy. tendre dans ses interventions. Je trouve que il est souvent en retard dans sa manière d'intervenir sur l'attaquant. Il n'y va pas vraiment en contact. La Ligue 2, c'est un championnat de contact qui est très dur. Et là, je le trouve un petit peu tendre. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je ne l'avais pas beaucoup vu jouer à l'époque à 3. Et moi, il me déçoit beaucoup depuis le début de saison. Ok, et donc on garderait Giraudon et Nadé en flop, donc la charnière centrale, et en top du coup. En top, moi j'ai bien aimé Gabriel Silva, comme l'a dit Hervé. J'avais déjà été surpris par son entrée face à Auxerre la saison dernière pour le match retour à Geoffroy Guichard. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait montré de bonnes choses. J'ai bien aimé l'entrée du petit mouton aussi. Il a une deuxième entrée correcte. Il est très sobre dans ce qu'il fait. Il a l'air de gérer assez ses émotions. Lui aussi, il découvre la Ligue 1 et pour autant, il est assez sobre dans sa manière de jouer. C'est un profil assez différent de Mouefek qui lui est plus dans la percussion. Et enfin, en dernier top, bah, Mathieu Cafaro, son entrée, mine de rien, elle amène du dynamisme, hein, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur une grosse frappe. Il envoie une grosse frappe à un moment au bout de 5-10 minutes après être rentré. Et bah, mine de rien, on sent que techniquement, il est un peu au-dessus du lot et que s'il y en a bien sur lequel on va pouvoir compter cette année pour faire des différences devant, ça sera lui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été titulaire, à ton avis, sur ce match-là? Encore un petit peu court physiquement de Ouais. ce que vient d'entendre Laurent Sur la Batless, sachant qu'il préparation. reste 10 jours, enfin il y a 8 ou 9 jours entre ce match-là et le match d'après, donc il n'avait pas envie de tout de suite cramer un effectif, de risquer des petits pépins physiques. Là, on va avoir le temps de vraiment repréparer, enfin physiquement de se mettre à jour. Et juste avant son départ du standard, il me semble qu'il fait une semaine et demie où il est déjà un peu à l'écart du groupe, une semaine et demie, 10 jours où il est à l'écart du groupe. Donc forcément, là, ça met une coupure physique, même si on s'entraîne chez soi quand même, il y a toujours une coupure physique qui se crée dans ces cas-là. Et ça peut expliquer ça. Alors, je précise que les photos d'illustration que j'ai mises sont des photos de l'entraînement du 4 août, puisque c'est la dernière série de photos qu'il y a à disposition sur la médiathèque du club. Il n'y a pas encore les photos du match contre Nîmes. Dans le chat, les tops et les flops, n'hésitez pas à nous les donner encore. Qu'est-ce qui ressort pour l'instant, Karl? Alors, il y a un joueur qui fait l'unanimité dans les flops, c'est Neyou. Je vois des Neyou à chaque commentaire à peu près. J'ai vu pas mal de Nadé aussi. J'ai vu Patrice. Enfin, j'ai vu. Attendez, je vous retrouve le commentaire de Patrice que j'avais trouvé intéressant. Et non, je l'ai perdu. Sinon, dans les flops aussi, j'ai vu. Alors, le cas Giraudon Divise. divise pas mal dans le chat et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec Antoine. Il y en a qui ont dit Giraudon est peut-être un peu léger, mais pour le reste, ça va. Il y a Golorix qui nous dit Giraudon est trop tendre.
mais le reste également, ça va. Is Joss qui nous dit « Pas d'accord avec Antoine sur Giraudon, je l'ai trouvé calme et propre personnellement. C'est le seul qui a un cerveau dans la défense à 4 derrière. » Et sinon, dans les tops, j'ai vu des Silva, j'ai vu des Lobry partout également. Et puis, j'ai vu aussi Anna qui nous dit que personne ne parle de Rivera, mais que c'est un des seuls à mouiller le maillot devant, en tout cas. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Rivera. Alors, moi, Rivera, si je peux prendre la main dessus, j'ai hésité à en parler parce qu'en fait, il a eu, je trouve, son entrée en jeu en deux temps. Sur les premières minutes, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Alors, dans son style caractéristique, en percussion, les appuis très bas et solides. Donc, j'ai trouvé qu'il essayait de combiner aussi, de solliciter des 1-2, du jeu à une touche. Moi, j'aimais bien sur le côté de la ligne. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, malgré son petit gabarit, c'est qu'en termes de pressing et défensivement, bah, j'ai trouvé qu'il s'y filait, en fait, hein, le petit Rivera. Après, c'est vrai que sur la fin de match, je ne sais pas, peut-être le rythme qui était encore... qu'il avait du mal à trouver. Je trouve qu'il a un petit peu avalé la trompette, comme on dit. Mais sur les premières minutes, je l'ai trouvé plutôt très intéressant. Ouais. Antoine, t'es d'accord ? Non, pas vraiment. Moi, Rivera, je trouve qu'il fait pas de différence. Il est autant des fois sur les matchs amicaux, encore en début de saison, là, sur les matchs amicaux, je l'ai trouvé intéressant. Et là, son entrée face à Dijon et son entrée face à Nîmes, j'arrive pas à le voir faire des différences. En fait, j'ai pas le souvenir de Maxence Rivera qui crée un décalage balle au pied, qui fait une différence individuellement. Je le trouve trop limité dans ses interventions, alors que régulièrement dans les matchs de préparation, et c'est pas le cas que cette année, les années précédentes aussi, je l'avais vu faire de bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il a encore un petit blocage en match. Qu'est-ce qui lui manque pour toi ? Est-ce que, vu qu'il peut être bon en prépa et pas forcément en match officiel, c'est juste un déclic qui lui manque ? Un but en Ligue 1 putain, j'allais dire en Ligue 1, c'est dur. Un but en match officiel, ou est-ce que c'est plus un manque de physique ? On sait que c'est pas un joueur qui est très grand. Qu'est-ce qui lui manque selon toi ? Ben, je pense que, mine de rien aussi, si on le voit en match amico, en match de préparation, dans le ton, c'est que le rythme, il est toujours un petit peu moins élevé en match de préparation, alors que quand arrivent les matchs officiels, c'est pas la même mayonnaise, et à chaque fois, je trouve qu'il a... Il a du mal à passer ce cap, il a du mal à s'imposer. Peut-être qu'un but, ça pourrait lui faire un déclic, mais pour l'instant, moi, je trouve qu'il a vraiment, vraiment du mal à faire des différences, tout simplement. Ouais. C'est un ailier percutant, et je trouve qu'il fait pratiquement pas de différence balle au pied. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, sur les tops et les flops, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Bon, pour revenir sur le cas Neyou, hein, mais le cas Ivan Neyou, on le savait, il a déjà vécu une saison très compliquée l'année dernière avec Pascal Duprat qui l'a mis de côté. Et là, Laurent Batless, il essaye de faire comme il peut et il l'a aligné. Autant vous dire qu'il n'était pas dedans, même en zone mixte. À la fin du match, il s'est arrêté quelques minutes en zone mixte. Même là, il répondait aux questions un petit peu à côté. On ne le sentait pas vraiment pas concerné, malheureusement. On a vraiment l'impression qu'il est déjà ailleurs. Et sinon, je juste prends la parole parce que j'ai vu un avis de Ludovic et qui est pas mal partagé. C'est qui nous dit que les deux défenseurs centraux ont joué à 25 mètres l'un de l'autre. Manque de repli défensif général. Crasso mise en neuf isolé mais ne participe pas suffisamment. Ce rôle de pivot peut être intéressant avec un milieu offensif juste derrière. Et Aouchiche, pas au niveau espéré, flop pour moi. Et Joss Randall vient de dire également Aouchiche, on en parle ou pas ? On n'a pas trop évoqué son terme. Aouchiche, moi, Aouchiche, comme d'habitude, je vais en parler un petit peu. La parole est à la défense. Voilà, alors, c'est très dur, mais bon, tout le monde mérite une défense. Aouchiche, mine de rien, il a tenté. Alors effectivement, c'est peu, mais dans une équipe, on l'a dit, hein, qui est en manque de créativité, qui est en manque de rythme, parfois de justesse technique, il n'a pas fait un grand match, hein, Aouchiche, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a une grosse occasion avec un peu plus de lucidité, il doit la convertir. Ensuite, il y a deux autres bonnes frappes. Donc voilà, il a quand même malgré tout tenté d'apporter dans un rôle en fait où il partait du côté et Batless lui demandait de repiquer dans l'axe pour ouvrir un petit peu l'espace pour le latéral derrière lui, à savoir Palencia. Donc voilà, Aouchiche, je trouve moi toujours pareil, quoi, que lui aussi, il lui manque quelque chose pour arriver à franchir le cap, pour arriver. Je pensais que dans une équipe où l'équipe aurait la possession du ballon, je pensais qu'il pourrait plus s'exprimer.
Là, Dieu sait qu'on a eu la possession ce week-end, mais malheureusement, Ouais. Moi. c'est resté assez stérile et trop insuffisant, quoi. Ce qui me gêne un petit peu avec Aouchiche, c'est que, à titre personnel, je sais toujours pas quel est son meilleur poste, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui pose problème avec lui, c'est que on sait toujours pas s'il est mieux en numéro 10, s'il est mieux sur un côté, s'il est mieux en soutien de l'attaquant, s'il est mieux plutôt en relayeur. C'est assez flou et le fait qu'il ait jamais pas vraiment de match référence où que ce soit fait un peu se poser des questions, je trouve. Je pense que son meilleur poste, c'est équipe de France U19, en fait, quoi. Voilà. Avec un Puisque autre groupe. là, quand il cartonne, quand il est avec eux, et on Ouais. voit pas la moitié de ce qu'il montre avec cette équipe de France-là à Ouais. Saint-Étienne. C'est ça, moi, qui me fait râler avec ce joueur-là, quoi. Allez, Ce tant qui qu'il m'a... nous reste un petit peu de temps sur le débrief de ce match, moi j'avais envie de vous poser la question, à l'instar un petit peu d'une chaîne de télé que vous connaissez peut-être, qui est fautif sur le but qu'on encaisse? Alors, je vous rappelle un petit peu, on n'a pas les droits, le Saint-Etienne Night Club n'a pas encore la possibilité de se payer les droits de la Ligue 2, donc je vais vous redécrire le but pour ceux qui l'auraient pas vu. Donc il y a une passe en profondeur à peu près mi-terrain, Nadé est aspiré vers la droite, Giraudon est au marquage mais pas très agressif, tir croisé, ça va petit filet à droite de Green, et Green qui est un peu lent pour se coucher. Alors du coup, sur cette action et sur ce but, si vous l'avez toujours en tête, qui est fautif selon vous? Est-ce que c'est Giraudon qui n'est pas assez agressif? Est-ce que c'est Nadé qui est mal placé? Est-ce que c'est Green qui va pas assez vite au sol? Ou est-ce que c'est l'organisation défensive de manière générale? Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Au premier abord, moi, en direct, le but, j'ai un peu crié contre Giraudon, que je trouvais très loin au marquage. Il rentrait pas sur l'attaquant, il lui laissait trop d'espace. Et en le revoyant, je me suis dit que c'était peut-être aussi un petit peu de la faute à moitié de Nadé, à moitié de Neyo, qui se font aspirer en fait au milieu de terrain. Cette passe qui va de la droite vers le centre, là, c'est Qui est une belle ce que passe, Laurent hein. Batless, ouais, mais c'est ce que Laurent Batless a dit un petit peu en conférence de presse ou même après en off. Il racontait que sa mission, enfin la consigne, c'était éviter ces passes qui tranchent de l'aile au centre. Et il y en a très peu qui ont été réussies. Il y en a eu une qui a réussi. Malheureusement, ça a terminé sur un but. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient préparé, les Verts, à l'entraînement. C'était une attaque nîmoise qu'ils connaissaient. Ils l'ont bien tenue pendant la majeure partie du match, sauf sur cette occasion. Donc je pense que le positionnement de Neyou qui se fait aspirer, qui laisse, je crois que c'est Neyou, hein, il se fait aspirer, et il laisse de l'espace dans son dos. C'est peut-être un petit peu à lui cette faute de ne pas avoir su reculer correctement, de ne pas se précipiter au pressing, et du coup d'avoir laissé cet espace. Et après, Giraudon, bah, c'est un duel où il manque un petit peu de mordant, et Etienne Green il se couche un petit peu moins vite. Mais voilà. Ok, donc les torts sont partagés, mais quand même, ce que tu nous as cité en premier, à la première lecture en tout cas, pour toi, ça a été Giraudon et son manque d'agressivité. Sur le moment, j'ai vraiment, ouais, j'ai été. En fait, j'ai eu l'impression de revoir plusieurs actions contre Dijon. Je le trouvais déjà toujours sur un recul frein, sans jamais prendre d'initiative, sans jamais savoir s'il allait vraiment reculer ou s'il allait intervenir sur le joueur. Et c'est sur le moment, ça m'a sauté aux yeux, et c'est ce qui m'a fait un petit peu enrager. Ouais. Alors cela dit, j'ai l'impression que tes arguments sur Neyou sont en train de convaincre le chat parce que ça vote Neyou dans le sondage sur le chat. Hervé, toi, tu désignerais qui comme fautif sur ce but encaissé? Alors, comme vous l'avez dit, la passe déjà est magnifique. Le jeu appelle erreur. Et là, sur cette passe-là, ben, on voit justement quand il y a de la qualité technique, même si c'est sur une seule fois, eh ben, ça met dans le vent deux, voire trois joueurs. Donc, en l'occurrence, Nadé, Giraudon et Neyou. Donc, sans faire de lèche à l'adversaire, moi, j'ai trouvé cette passe-là tellement lumineuse, tellement décisive et tellement belle, en fait. Que j'en veux un petit peu moins aux joueurs de s'être fait bluffer par cette passe-là, pardon. Par contre, le point le moins beau de cette action-là, finalement, c'est la frappe. Ouais. Green, en plus, est placé, il la prend petit côté. Donc, moi, je mettrais plutôt Green, en fait, qui se couche pas très vite. Je me demande même s'il la touche pas, en fait, s'il n'a pas la main un petit peu trop faible. Mais voilà, moi c'est plutôt Green, alors pas pour lui tomber dessus, loin de là, mais plus parce que pour moi, la passe, en fait, ben, c'est des passes comme ça qu'on a envie de voir. Alors on préférait que ce soit des joueurs de Saint-Étienne, mais quand c'est réussi comme ça, quand c'est laser comme ça, ben, des fois, il faut savoir s'incliner. Et par contre, la frappe, pour le coup, elle n'est pas chirurgicale comme l'est la passe, donc pour moi, plutôt Green, quoi. Disons que la frappe est bien placée, mais c'est sûr qu'elle est pas très puissante et un peu.
Il est un peu en perte d'équilibre, le joueur, quand il tire. Ouais, Donc, voilà. forcément, Après, s'il a ça une lui frappe, vient un il est très petit peu fort. dans les pieds. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à aller chercher. Mais moi, je vous dis, c'est plus pour mettre en lumière la qualité de la passe. En fait, bah ouais, quand il y a des belles passes comme ça, les adversaires, bah, ils se retrouvent pris. Donc, on peut pas. Sur une belle passe comme ça, moi, j'en veux pas trop aux joueurs, en fait, quoi. Alors, qui est fautif sur le but? Qu'en pense le chat? Alors, le chat a désigné le coupable et c'est assez clair, Neyou. Neyou revient à peu près dans tous les Ouais. messages et dans le sondage, c'est Il assez clair, agace. 66%. Je vais reprendre les messages, mais on nous dit Neyou à 80%, Green à 20%. Green n'est pas clair, Giroudon non plus, mais le fautif, c'est Neyou. Il y a Albert Pila qui nous dit qu'il y a trois fautifs, Neyou à 70%, Giroudon à 20% et Green à 10%. En tout cas, j'ai vu un commentaire qui nous disait Nadé est obligé de fermer le couloir, ce qui obligeait Giroudon à glisser à gauche. Neyou est clairement trop haut, il aurait dû couper la passe. Giroudon a trop laissé jouer Thomasen. Voilà. Donc c'est Neyou le gros coupable sur ce but d'après le chat. Bah, de toute Disons façon, que c'est. Neyou a tel... Pardon, mais Neyou a tellement fait de mauvaises choses dans ce match que j'avais pas envie de lui tomber dessus en plus sur le but, quoi. Ouais, et puis c'est l'œuvre globale et l'attitude globale de Neyou aussi Ouais, qui ça est fausse tellement un petit agaçante. peu, ça fausse un petit peu, je pense, ouais, l'objectivité sur ce but-là. Peut-être. De toute façon, l'objectivité est un leurre. Ne l'oublions jamais. C'est vrai. Quelque chose sur lequel on va être tous plus ou moins d'accord, sans dire que c'est objectif, mais c'est qu'on a une animation offensive, parce que là on a pas mal parlé de la défense et du but qu'on a pris, mais on a une animation offensive qui est très tristoun, pour pas dire autre chose. C'est lié au fait qu'on attend encore des recrues, qu'il y ait pas mal de joueurs qui soient partis, mais... Vous, honnêtement, est-ce que ça vous inquiète cette inoffensivité en attaque, ou est-ce que vous dites que juste c'est une question de contexte? Là, actuellement, on n'a pas ce qu'il faut pour avoir des belles phases d'attaque. C'est un peu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Hein. Si on le voit à moitié plein, on dit oui, bah, il y a des joueurs qui vont arriver, on va se renforcer et ça va aller mieux. Mais le verre à moitié vide, c'est quel joueur va avoir envie de venir aussi? Parce qu'il faut se dire qu'on commence à enchaîner les mauvais résultats. Saint-Etienne intéresse un petit peu moins aussi au fur et à mesure des semaines. Le mercato, il se termine dans 3 semaines. Et si on ne prend pas beaucoup de points d'ici là, la SS ne sera pas vue comme un postulant direct à la remontée en Ligue 1. Alors que, mine de rien, c'est un moment clé de la saison de la SS qui se joue dans les 3 prochaines semaines. Et malheureusement, on n'a pas d'argument offensif. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, Lenny Pintor, à quel niveau il va arriver. C'est un joueur qui avait été acheté très jeune, très, très cher pour l'époque. Oui, on se souvient, 5 millions à 16 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est une somme dans ses environs, donc c'est forcément impressionnant. Mais depuis, il a peiné à confirmer. Voilà, Dylan Chambos, j'aurais bien aimé voir Dylan Chambos qui nous donne peut-être un profil un peu semblable à la suite de l'Aubry, dans ses créateurs très, très élégants balles au pied qui sentent le football. Malheureusement, on ne le reverra pas avant début septembre, je pense, mais Oui, c'est on vrai que ça rappelle reste. que sur le dernier match amical, il s'est fait une blessure bien vénère, ce qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Voilà, je compte beaucoup, mine de rien, sur Mathieu Cafaro. Ces deux apparitions, elles m'ont convaincu. Je me dis que s'il est en forme physique pour le match face à QRM, on devrait avoir un peu de mouvement devant. Mais c'est vrai que Jean-Philippe Crasso, il paraît très, très isolé sur ces deux derniers matchs. Il erre un peu sur le front de l'attaque sans avoir trop de solutions. Et quand il reçoit des ballons, il est souvent trop esseulé. Ben on sait que là où il a été le plus efficace sa saison dernière avec Ajaccio, c'est quand il était accompagné par un deuxième attaquant, hein, quand ils étaient deux sur le front de l'attaque minimum. Hervé? Bah, pff, moi, toujours pareil, le verre à moitié plein. Hein, donc, c'est compliqué tant qu'on n'a pas l'effectif complet d'être inquiet pour la suite de la saison. On est inquiet à l'instant T, bien évidemment, parce que, en plus, encore une fois, la possession de balle qu'on a eue très largement en notre faveur n'a pas accouché de beaucoup de situations vraiment dangereuses. Leur gardien, quand même, a deux, trois, voire quatre arrêts à faire. Après. Si on veut vraiment aller chercher les choses positives, on a eu quelques situations. Il y a eu des frappes de loin, alors cadrées ou pas. Il y a eu également de la percussion sur les côtés avec des centres en retrait.
Bah tiens, attends, je te coupe parce que tu parles des tirs de loin. Effectivement, si vous revoyez la deuxième mi-temps, en première mi-temps moins, mais en deuxième mi-temps, il y a eu vraiment beaucoup de tentatives de loin, que ce soit Silva, Cafaro, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont tenté de loin. Tu penses que c'est une demande du coach ou c'est juste bah, vu qu'on n'arrive pas à se trouver dans les 30 derniers mètres, on tente et puis on croise les doigts, quoi. Non, je pense que ça fait partie des consignes du coach. Et encore une fois, ça amène de la créativité et ça amène une palette plus élargie offensive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de ce qu'on appelait les fameux buts PlayStation, c'est-à-dire où le joueur rentre avec le ballon dans les buts quasiment. Un gars qui déborde, qui centre en retrait. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des centres aériens. Il y a aussi cette possibilité de frapper de loin. Et Cafaro peut vraiment amener ça comme en son temps. Amouma l'avait fait, c'est-à-dire que Amouma, au début à Saint-Étienne, il nous avait mis quand même quelques mines depuis l'extérieur de la surface. Il y a même une saison où on avait été l'équipe qui avait marqué le plus de buts depuis l'extérieur de la surface. Mais donc, il faut avoir cette variété-là dans le jeu offensif, avoir des joueurs qui débordent sur les côtés et qui centrent, oui, mais avoir des joueurs qui avancent plein axe ou qui suivent les actions, qui accompagnent et qui prennent leur chance de loin, il faut qu'on ait cette panoplie-là complète. Après, encore une fois, tant qu'on n'a pas vraiment l'effectif, on va dire au 1er septembre, fin du mercato, voilà, c'est difficile, entre guillemets, de s'inquiéter, même si à la fin des deux premiers matchs, on peut de toute façon, oui, se poser des questions. Il manque clairement un neuf, un buteur. Et puis, il y a aussi dans l'attitude, malgré tout, on sent qu'il y a des joueurs qui sont là, mais parce qu'ils doivent être là, parce qu'on les a mis titulaires, ou qu'on les fait entrer en jeu. Et je pense que ça aussi, pour les joueurs qui viennent d'arriver, comme Lobry, comme Cafaro, comme Giraudon, etc., ils doivent sentir ça, qu'il y a des joueurs qui sont pas ou peu concernés. Donc, à mon avis, c'est compliqué aussi de jouer comme ça à 100% avec des mecs qui, a priori, vont être amenés à partir rapidement, quoi. Et pour certains, on le souhaite en tout cas qu'ils partent rapidement. Ouais. C'est évoqué dans la chronique de Joss Randall du jour que vous pouvez retrouver sur Peuple Vert où il nous explique qu'il faut en finir avec l'état d'esprit de ceux qui nous ont fait descendre et de ces joueurs par la même occasion. L'excellente chronique quand même, Très de très Joss bonne Randall. chronique, bien sûr, et je dis pas ça parce que j'ai un fusil sur la tempe. Tu as parlé du mercato, du fait qu'on attende encore des joueurs. Restez bien avec nous, je reprécise, mais à partir de 21h45 à peu près, dans un quart d'heure, on va parler du mercato, on va faire un point sur où on en est. On a quelques infos exclusives à vous donner, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et on va terminer cette partie débrief avant de parler du prochain match, juste en évoquant le cas Lobry. Vous l'avez tous les deux mis dans vos tops. Il me semble qu'on l'avait aussi cité dans les bonnes notes du premier match contre Dijon, même s'il y en avait eu peu. Est-ce que pour vous, ça ressemble déjà à la bonne pioche de l'été ou c'est bien trop tôt pour le dire? Qui veut se lancer? Je vais commencer si vous voulez, Antoine, mais prends la main. ouais, non, c'est Hervé qui avait dit ça en début de live, il me semble. C'est vrai qu'on sent qu'il pue le football, quoi. Techniquement, c'est facile. Il a un vrai toucher de balle. Il a quelque chose, ce joueur. On le voit, on le sent rapidement. Après, on le sent surtout un petit peu. Moi, je trouve qu'il est un peu emprunté encore. Et c'est ce qu'il a dit dans une interview, je crois que c'était à France Bleu aujourd'hui ou récemment. Tout est 3 fois plus grand à Saint-Étienne. Il arrive dans un contexte qui est complètement différent de Pau. C'est un joueur qui a 2 ans de Ligue 2 à Pau. Donc, c'est pas non plus un colosse de Ligue 2, Pau, sans leur manquer de respect. Là, tout change très vite pour lui. Il va devoir s'adapter, il va devoir s'imposer aussi parce que pour l'instant il est trop sur la réserve. Il prend pas assez d'initiative. On sent qu'il veut bien faire, mais à trop vouloir bien faire, des fois on fait plus grand chose. Donc c'est là le petit point négatif sur ces deux premières performances. Et c'est vrai que ce côté-là, on sent que c'est un joueur de football. Dès qu'il prend des initiatives, ça fait des beaux décalages. Moi je revois cette action là contre Nîmes où il fait une super ouverture pour Aouchiche qui décale Camara après, où Camara fait un centre-tir qui est détourné. Mais voilà, sur les deux trois occasions où on a été dangereux, souvent mine de rien, il y a la patte Lobry qui vient se caler au milieu. Ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que les défauts que tu pointes, c'est des défauts qui devraient se régler un petit peu avec le temps, le fait de se libérer, tout ça, dès qu'ils se connaîtront un peu plus avec les autres. On rappelle hein, qu'il y a pas mal de recrues qui sont arrivées encore très récemment. Lobris, il est là depuis 2 semaines, donc ce que tu disais par rapport
a peut-être un petit manque de confiance, ça va aussi venir avec la connaissance de l'effectif et du coach. Hervé, le Calobri. Ben, Lobry, ouais, je pense qu'il a tout pour être la vraie bonne pioche du mercato stéphanois. Moi, j'avais fait comme tout le monde, et quand on l'a vu arriver, ben, je suis allé voir un petit peu certaines vidéos de lui. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était vraiment, et j'en parlais tout à l'heure, c'est les circuits préférentiels qu'il avait tissés avec certains joueurs de côté, justement. Alors, j'ai pas les noms à donner, mais sur un petit peu les meilleures actions qu'il montrait de Lobry. C'était toujours les deux, trois mêmes joueurs en fait qu'il arrivait à toucher. Alors c'est normal puisqu'il joue quand même un cran en deçà de l'attaque et qui sert à alimenter les attaquants. Mais encore une fois, il alimentait les joueurs de côté, tantôt court, tantôt long, en changement de transversal, une touche de balle, en déviation. Et il y avait une vraie connivence technique avec ces deux joueurs-là. Et donc lui, je pense que clairement, quand l'équipe va se dessiner de manière un petit peu plus pérenne et définitive, j'ai envie de dire, je pense que c'est un joueur qui sera capable justement de comprendre un petit peu comment ses coéquipiers jouent, comment ils préfèrent recevoir les ballons. Je pense que c'est quelqu'un qui, en termes d'intelligence de jeu, est largement au-dessus de beaucoup de joueurs qu'on a à Saint-Etienne. Et je pense que, notamment avec Cafaro, qui lui va beaucoup bouger, va amener beaucoup de percussions. Je pense que ces deux-là, ça peut être très, très intéressant. Ouais. Qu'en pense le chat de la recrue Lobry qu'on estime être une bonne pioche? Alors, il y a ceux qui sont déjà convaincus et qui nous disent que c'est la meilleure recrue qu'on ait faite pour l'instant. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus méfiants et qui disent on a vu que deux matchs officiels de sa part, attendons de voir et on se prononcera après. Donc du coup dans les commentaires il y a Anto qui nous dit il va monter en puissance au fil des matchs, il y a Patrice qui nous dit plutôt Lobry c'est trop tôt pour se prononcer mais effectivement on peut y croire, Magic Power qui fait un petit jeu de mots et qui nous dit Lobry pour faire peau neuve, il y a Golorix qui nous dit Lobry j'aime beaucoup son côté collectif, et Joss qui nous dit bon joueur Lobry est déjà dans un bon format pour la Ligue 2, plutôt une bonne surprise pour le moment. Voilà. Ok, bon, et ben c'est pas mal en plus qu'un joueur qui porte le même nom que Martin Lobry ne soit pas à Lille, mais bien à Saint-Etienne. sur cette bonne blague, je vous propose qu'on passe tout de suite au prochain match qui sera contre Quevilly-Rouillan. Active Saint-Etienne Night Club. Rouillan, oui. Le prochain match. Mon Dieu. Il fait chaud, hein, il fait chaud, j'ai une excuse. Sachez qu'en préparant l'émission, petite anecdote assez incroyable, vous m'en direz des nouvelles de cette anecdote, vous pourrez la ressortir en repas de famille et me dire l'effet que ça a fait. Et ben Saint-Etienne et Quevilly ne se sont jamais affrontés, en tout cas depuis 1993-1994. J'ai cherché des photos d'anciennes confrontations, j'ai cherché un historique d'anciennes confrontations, et même en Coupe de France, même en Coupe de la Ligue, non, nulle part, on ne s'est jamais affrontés. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous changeriez, vous, d'ici Quevilly-Rouillan? Oh, purée, pourquoi Rouillan, ah ouais. Qu'est-ce que vous changeriez dans l'équipe, dans la composition de départ pour Quevilly, Antoine? Déjà, j'enlèverais, enfin, tout simplement, j'enlèverais déjà, je garderais ce dispositif-là. Moi, je préfère, je suis pas un adepte de ces 3-5-2. On n'a pas les joueurs pour encore, je trouve, dans l'effectif. J'enlèverai Neyou qui n'a plus sa place à la SL, vraiment, si c'est pour faire des performances comme ça, malheureusement on sait qu'il est capable de tellement mieux que là on peut plus se permettre de l'avoir en tant que titulaire, ça c'est un trop gros poids pour l'équipe. Je lancerai pourquoi pas un joueur comme Mouton qui a fait deux belles apparitions, deux belles entrées, donc pourquoi pas lui donner un peu de temps de jeu dès le début, associé avec un Camara qui lui même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, je l'ai trouvé quand même meilleur que Neyou. Pour le reste, pourquoi pas laisser le petit Aiki devant et lancer Cafaro sur l'autre côté. On a un joueur expérimenté, un joueur plus jeune qui amènera sa fougue et sa vivacité. Tu restes en 4-2-3-1 du coup? Ouais, je reste en 4-2-3-1, 4-3-3, on le dit comme on veut. Mais ouais. Ouais, je resterai plus dans ce système-là. À voir derrière la défense ce qu'on peut avoir. À voir dans quel état se trouve Ivan Masson. Parce qu'actuellement, Ivan Masson, c'est le visage qu'on a eu de lui. On a vu plusieurs Ivan Masson, mais celui qu'on a vu à Dijon, c'est incompréhensible d'avoir un joueur de ce niveau-là sur 45 minutes. Donc, s'il revient un petit peu mieux, pourquoi pas le revoir, leur donner une chance la semaine prochaine. Mais sinon, il n'y a pas non plus 100 000 solutions sur le banc. Donc voilà, moi, c'est sur ces changements-là que je me pencherai.
Tu le fais revenir dans le groupe quand même, Masson, ou pas? Bah, j'ai pas, ça dépend aussi de sa situation contractuelle et des offres qu'il peut avoir. J'ai pas d'informations là-dessus, mais évidemment que s'il est en contact avancé avec d'autres clubs, vu sa première performance et la manière dont Batles l'a sorti au bout de 45 minutes, on ne peut pas se permettre de le relancer. Après, s'il a vraiment zéro contact pour l'instant, qu'il est entre guillemets bloqué à Saint-Étienne, il peut lui donner une chance de se relancer aussi. Hervé, Moi, je... est-ce que tu changes des Ouais. trucs toi par rapport au match contre Nîmes? Bah, je garderai pareil, un petit peu comme Antoine. Moi, je garderai cette animation-là. Par contre, il y a un joueur moi, que j'aimerais bien voir titulaire, si le physique suit, c'est Aymen Mouefek. Parce que voilà, dans tout ce qu'on a dit, manque de d'impact, manque de parfois d'intensité, manque de jeu vers l'avant, etc. Je trouve que Mouefek peut vraiment amener quelque chose à ce niveau-là. Je trouve qu'il a bon état d'esprit les quelques fois où on le voit. C'est un joueur qui nous a gratifié quelquefois de belles chevauchées. C'est un milieu de terrain qui accompagne les attaques. C'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui est généreux dans l'effort, comme on dit. Donc moi, j'aimerais beaucoup voir Mouefek. Après, effectivement, Cafaro, si physiquement il est apte, pourquoi pas. Aiki, après, bon, très jeune joueur. Est-ce que Batles va le faire enchaîner? À voir. Mais ouais, moi, c'est Mouefek surtout que j'aimerais beaucoup voir. Ça va faire Ouais. plaisir à nos amis de Green Prospect qui l'observent depuis des années et qui nous en disent le plus grand bien de lui et de ses cuisses. Est-ce que le fait qu'on joue le lundi soir, du coup, sur le prime time de la Ligue 1, ça peut changer quelque chose à vos yeux? Le fait qu'on joue le soir, dans un peu plus longtemps, du coup, le fait qu'on ait un peu plus de temps pour préparer le prochain match? C'est un peu, on a beaucoup joué l'après-midi déjà la saison dernière, mine de rien. On a beaucoup joué le dimanche à 15h à 17h. Je sais pas si ça va changer quelque chose, à vrai dire. Avoir la qualité de la pelouse. Ce week-end, à Geoffroy-Guichard, c'était particulièrement mauvais la qualité de la pelouse. Vraiment, il y avait des zones devant le Kop Nord qui étaient complètement desséchées où il y avait presque plus d'herbe. Ah oui, c'est vrai que t'étais au stade en plus, toi, donc tu l'as vu de tes yeux. Ouais, non, c'était vraiment une pelouse, c'était catastrophique. Les jardiniers ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avant le match et à la mi-temps, mais ouais, devant le Kop Nord, il y avait vraiment des zones sans herbe, complètement terreuses. Donc voilà, à voir, parce que je connais pas la pelouse du stade, c'est Robert Diochon, il me semble, à Quevilly-Rouen Métropole. Mais voilà, on n'a pas été très bon contre Nîmes, enfin, sur une pelouse pas très bonne. Contre Dijon, on n'a pas été très bon face à sur une pelouse qui était plutôt correcte. Ouais, on va bien voir ce que ça donne sur la pelouse de QRM. Tiens, pour enchaîner vite fait, en prono, tu imagines quoi pour le match de la semaine pro? J'ose espérer une victoire. J'ai un petit peu regardé les matchs d'un œil de QRM. Ça, c'était pas très impressionnant. Je les ai pas trouvés ouais, sensationnels. Mais pour autant, ils prennent pas beaucoup de buts. Le PFC, ils ont perdu 2-1. Ils ont fait 0-0 contre Rodez en ouverture. Voilà, j'ose espérer que cette équipe-là, avec 10 jours de préparation de plus dans les pattes, avec peut-être l'intégration d'un Lenny Painter, avec peut-être de nouvelles recrues, elle va pouvoir aller chercher les 3 premiers points de la saison. Enfin, la première victoire de la saison. Alors en parlant de recrues, hein, je rappelle qu'on va faire un point mercato dans quelques petites minutes, dans 2 minutes. Du coup, attends, parce que tu as dit une victoire, mais une victoire combien? Faut se mouiller un peu. Je vais dire une victoire 3-1. 3-1, d'accord. Ah ouais, donc une belle prestation offensive. Une prestation déjà, ça serait bien, une belle prestation tout court, une belle prestation offensive, on verra ensuite. Mais oui, je pense qu'il y aura des buts, je pense qu'il va y avoir des buts, que Laurent Batless, il sait aussi que c'est l'urgence, il faut marquer des buts, il faut sortir le muscle, et je pense qu'on devrait avoir une composition résolument offensive pour cette rencontre. C'est terrible de devoir dire que c'est l'urgence dès la troisième journée, mais t'as totalement raison. Hervé, toi qui es optimiste, est-ce que tu seras plus optimiste que l'optimisme d'Antoine? Pas beaucoup plus, non, mais moi je nous vois faire un premier clean sheet, pas ça aussi, ça serait pas mal. Donc, ouais, 2-0, moi je voyais un petit 2-0, pas de but sur penalty. Par contre, Lobry, s'il pouvait, alors c'est pas un buteur patenté à Lobry, mais par contre, voilà, s'il pouvait en mettre un petit pour vraiment bien lancer sa saison, lui aussi le débloquer un petit peu. Et puis Crasso qui enchaîne un deuxième but consécutif. Ok,
Très bien. Bah écoute, je vote pour vos deux scores sans hésiter. Et le chat, est-ce qu'ils sont aussi optimistes que nos chroniqueurs? Il y a Anto qui nous dit, j'ai l'impression que ce match contre QRM va lancer la saison, en espérant en attaquant d'ici là. Du point de vue des changements à opérer, je crois que tout le monde veut la sortie de Neyou. Neyou dehors, mais genre vraiment dehors. Ouais, même plus dans le groupe. Sinon, il y en a qui sont un peu pessimistes, qui nous disent sans attaque, on est mal barré. Et il y en a qui réclament de voir Pintor. Sinon, en tout cas, le camo effect que Hervé a mis sur la table divise pas mal. Il y a Romain qui nous dit arrêtons avec Mouefek, 3 ans qu'on entend le même refrain et pas de changement. Voilà. Et sinon, Eiki, on le veut uniquement en super sub et car trop tendre en tant que titulaire, on l'a vu contre Nîmes. Voilà. Et du point de vue des pronos, pardon, il y a des victoires pour pas mal de monde. Albert qui nous dit 2-1. Pour aller à SSE parce qu'on ne sait pas garder notre cage inviolée. Romain qui nous dit victoire 2-0, Manu qui nous dit victoire 2-1 et QRM 0 à SSE 1 pour Patrice. Donc plutôt d'optimisme dans le chat, ouais. Ouais, je vois Intim aussi qui dit un petit 1-0 timide but sur corner. C'est vrai que Nadé, pour se racheter de son début de saison raté, il vient mettre une bonne grosse tête là sur corner et puis on n'en parle plus, il garde sa place, hein. Il n'y a aucun souci. Nous a rejoint, je ne sais pas si vous avez vu dans les petites bulles qui sont en bas à droite de l'écran, nous a rejoint Clément. Bonsoir Clément. Salut Ken, salut à tous, j'espère que vous allez Bonsoir. bien. Eh bien écoute, nous ça va plutôt bien. Tu vas nous dire comment va le mercato de l'AS Saint-Étienne. Apparemment, Exactement. Si on en croit ce qui a été dit par Laurent Batless, on attendrait encore 6 ou 7 recrues potentiellement. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit état des lieux du mercato là où on en est à l'heure actuelle? Ah bah oui, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur les derniers jours. Donc déjà, bah voilà, je vais rien vous apprendre, mais déjà on a Youssouf qui a été transféré au Portugal à Famalicão. Donc montant de l'opération 1 million d'euros. Et une petite précision quand même, parce que j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui se plaignaient qu'on touchera rien, surtout que Bordeaux allait prendre une partie de la somme, mais Bordeaux touchera rien du tout, puisque le pourcentage qui avait été négocié par Bordeaux, c'était 40% de la plus-value, et il n'y a pas de plus-value tout simplement, parce qu'il avait été acheté 2,5. Ok. Ensuite, on a Bouanga qui a été transféré au Los Angeles FC, donc 5 millions d'euros. Dossier qui s'est bouclé dans les toutes dernières heures du mercato de la MLS. Et autre dossier qu'on avait évoqué aussi la semaine dernière, Lenny Pintor, donc c'était officiel. Contrat de 2 ans plus une année en option s'il y a. Et il a été libéré par l'OL avec 30% sur une future revente. Voilà, Alors, voilà. je te coupe rapidement, Antoine et Hervé, vos avis sur ces trois choses qui ont été actées, donc Bouanga, Zaïdou Youssouf et l'arrivée de Lenny Pintor. Déjà sur les départs, est-ce qu'on est content parce que ça met de l'argent dans les caisses ou est-ce qu'on est quand même déçu de perdre deux joueurs plutôt bon pour Bouanga et pas ouf pour Zaïdou? Bah, d'une manière générale, je crois moi, il n'y a aucun joueur en fait que je vais regretter Ouais. qui partirait. Ça aussi, ça a été dit plusieurs fois, écrit, lu, etc. Mais il y a tellement de joueurs qui ont déçu, qui n'ont pas été au niveau, qui avaient des beaux discours et qui n'ont jamais fait suivre les actes en adéquation avec leurs paroles que moi, honnêtement, je l'avais dit en fin de saison dernière après le Ouais, je me match de souviens. barrage. Voilà, moi honnêtement, à part les jeunes style Sow, Bakayoko, Green, Mouefek également, que je mets un petit peu à part dans la débâcle de la saison dernière, honnêtement, moi, il n'y a aucun joueur en fait que je regrette de voir partir Du de coup, tu l'AS regrettes un peu Saint-Étienne. Gourna quand même? Ouais, un petit peu Gourna, parce qu'effectivement, on voyait, en tout cas, on voulait croire à un fort potentiel et. Donc voilà, un petit peu Gourna, mais après, honnêtement, si, moi, je regretterais Aouchiche s'il s'en va parce que voilà, parce que je suis Parce qu'il y a sûr que une c'est relation quelqu'un qui s'est créée qui entre vous. réussira. Oui, voilà, c'est particulier et tout. Mais non, non, honnêtement, après, tous les joueurs qui peuvent ou qui veulent partir, honnêtement, allez, peut-être Camara, mais et encore. Mais vraiment, moi, mis à part les jeunes que Puel avait fait signer, ils peuvent tous partir, j'ai envie de dire. En tout cas, d'un point de vue
purement affectif, je n'en regretterai aucun. Et d'un point de vue sportif, on voit où on est aujourd'hui grâce à ces mecs-là. Donc, pas de regret aucun, quoi. Tout à fait. Antoine, d'accord avec Hervé? Oui, sur l'ensemble, plutôt d'accord. Hein. Denis Bouanga, on le savait. Hein. C'est comme s'il avait, il avait signé son départ le jour de la descente en Ligue 2. Zaïdou Youssouf, moi, il m'avait plus ou moins convaincu à son arrivée, à ses débuts. Mmh. Et il n'a jamais vraiment réussi à se mettre de sa rupture des ligaments croisés. En fait, hein, ça me rappelle le scénario Ivan Masson aussi, un petit peu. Hein. Voilà, c'est exactement là où j'allais parler de ça aussi. Masson, c'est exactement pareil. Il a ce but face à Nantes, il me semble. Ouais, il fait un début de saison incroyable. Marseille, Nantes, il fait des matchs incroyables. Et il est au top et rupture des ligaments, et depuis c'est de la difficulté. Gourdin, moi je trouve que c'est triste de voir partir un joueur du centre de formation, mais le prix de vente est si élevé pour un joueur qui a si peu de matchs en Ligue 1 que je trouve que mine de rien ça reste une bonne vente si cet argent-là nous permet de réinvestir correctement sur le mercato, sachant que c'est un joueur en plus qu'on a vendu blessé à 15 millions d'euros, donc c'est une belle opération. Et pour les joueurs actuels dans l'effectif, c'est ce que disait Hervé, ce que dit tout le monde aussi, ce spectre de la descente en Ligue 2, de la descente en Ligue 2. Il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a plus forcément envie de voir jouer sous le maillot de la SS, tant on a eu du mal à supporter cette descente. Donc, peut-être Etienne Green qui au milieu de tout ça, il n'est pas forcément identifié directement à cette descente, je trouve, comme c'était Bernardoni titulaire en seconde partie de saison. Saïdou So aussi, que Pascal Duprat avait placardisé en seconde partie de saison. C'est ces deux, trois joueurs que j'aimerais voir rester cette saison. Allez, on enchaîne. Ça, c'était des choses qui étaient officielles sur le mercato. Maintenant, qu'est-ce que tu as à nous donner de plus ? Eh bien, écoutez, maintenant, on va faire un petit point sur les départs qui pourraient avoir lieu. Donc déjà, de la quantité, minimum 5 départs sont espérés selon le journal L'Équipe. Et d'ailleurs, 6 à 7 arrivées sont espérées aussi, d'ici la fin du mercato, évidemment. Et donc très généralement, c'est impossible d'affirmer à 100% qu'un joueur va rester, car en cas de bonne offre, le club ne devrait retenir personne. Le problème pour pas mal de joueurs, c'est le manque d'offres, voire même tout simplement d'intérêt. On peut penser par exemple à Moukoudi, qui a été proposé un peu de partout, mais qui se prend un nombre de refus qui est quand même assez énorme. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs comme lui qui en fait au final n'ont pas vraiment de propositions concrètes. Sinon, une nouvelle info dans le sens des départs qui est tombée sur les derniers jours, c'était hier d'ailleurs, c'est le Progrès qui nous apprend que Valenciennes et Arouca sont intéressés par Charles Abbi pour un prêt. Donc Charles Abbi qui est aussi un indésirable, hein, il n'a pas été convoqué dans le groupe ce week-end. Batles ne compte pas sur lui. Donc départ possible pour Charles Abbi, soit en Ligue 2, soit au Portugal. Vu qu'on n'a pas eu beaucoup d'autres infos au niveau départ, on peut vous faire un petit point sur les situations de Green et So. Donc Etienne Green... il veut rester à l'AS Saint-Etienne, on peut vous le dire, il veut rester à l'AS Saint-Etienne, c'est son idée première, et sa volonté actuelle c'est de s'imposer, de devenir titulaire et d'aider le club à remonter en Ligue 1. Donc plutôt positif, même si évidemment voilà, on n'est jamais à l'abri d'un club anglais qui vient poser 8 millions, mais pour l'instant voilà, l'idée de Green c'est vraiment de rester à la SSE. Il faut le souligner parce que c'est assez rare chez les joueurs qui étaient là la saison dernière, pas mal d'entre eux veulent partir, mais lui c'est pas son cas, du moins c'est pas son idée actuellement. Saïdou So, j'enchaîne. Alors juste, on se prend 30 secondes vite fait. Antoine, toi, sur le cas Green, j'ai vu que dans le chat, ça parlait de Green tout à l'heure, ça divise encore beaucoup. Il y a plein de gens qui se disent encore pas convaincus. Moi, j'avoue que je l'ai intégré comme quoi ce serait notre gardien titulaire cette année. Toi, c'est pareil ou t'as encore des doutes ? C'est surtout au vu des gardiens remplaçants qu'on a. Boubacar Fall, les rares fois où j'ai pu le voir à l'entraînement, c'est pas du tout un niveau Ligue 2. Donc niveau de l'effectif, les gardiens qu'on a, c'est le meilleur gardien qu'on a largement. On a très peu d'opportunités de recrues au niveau des gardiens. On le voit, Laurent Batles, c'était une de ses priorités de l'expérience à ce poste. Pour l'instant, il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, Etienne Green, oui, il va nous coûter certainement des points dans la saison. C'est un jeune gardien, il apprend beaucoup. Mais il va nous permettre d'en sauver pas mal. C'était déjà le cas. On sait qu'il est capable d'en sauver aussi, oui. Ouais, la semaine dernière face à Dijon, sans un ou deux très gros arrêts, on peut rapidement repartir avec un 3-4-0 et mine de rien dans les têtes, c'est pas la même chose. Donc non, pour moi ça sera Etienne Green, à moins qu'on ait une opportunité de marché énorme d'ici le 31 août, ce qui existe très rarement sur les gardiens. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas Etienne Green le gardien tout au long de la saison. Ok, on enchaîne Clément avec la suite. Ouais, voilà. Donc Green, ça veut pas dire qu'il va rester, simplement que son idée actuellement c'est de rester. Voilà. Sinon Saïdou So, il a une espèce de bon sortie. Alors c'est le terme est peut-être un peu fort, mais il ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante.
Ok. Son prix à l'heure actuelle est évalué à 4 à 5 millions d'euros par le club. Donc voilà, disons que si un club vient et pose ce prix-là, Seydou Sow est potentiellement partant. Donc il n'y a rien d'avancé pour le moment, il n'y a rien de concret. Simplement, si une offre comme ça arrive, il y a possibilité d'avoir un départ. Autre info mercato, juste je finis après, je te laisse passer Ouais, après, on vas-y. va aux arrivées. Alors là, c'est plutôt pour un joueur qui fait l'ascenseur entre la réserve et les pros, c'est Brian Lokwe. Il pourrait être prêté ou libéré avec un pourcentage à la revente. Il n'y a aucun accord à ce jour, mais il y a des clubs de Ligue 2, de National qui se sont renseignés. Et donc voilà un départ possible parce que c'est un peu bouché pour lui. Le système ne lui offre pas forcément de place. C'est un latéral au profil plutôt défensif, pas spécialement à l'aise techniquement. Donc voilà, il a des touches un peu ailleurs, il pourrait partir. À toi. Ok. Brian Nokwe qui pourrait partir. Hervé, sur le cas Saïdou Sow, tu disais que parmi les joueurs qui étaient là l'an passé, ça te dérangeait pas trop de voir partir les titulaires, sauf ceux qui avaient été un petit peu lancés par les jeunes lancés par Puel. Sow, il fait partie de ces joueurs-là où il a encore suffisamment trop peu joué pour avoir ta confiance. Non, moi, il a plutôt ma confiance et mes faveurs, si j'ose dire. Sur les matchs où il avait été titulaire, je l'avais trouvé plutôt bon. Il nous avait même sauvé quelques fois la mise, soit par des bons retours défensifs, soit par même des buts qu'il avait marqués. Je me rappelle de son coup de cabine contre Lille, où on arrive à arracher le point du match nul à ce moment-là. Non, moi, Sow, pareil, dans l'état d'esprit, j'ai toujours trouvé qu'il avait sa place. Quelque chose également qui fait que je l'ai en affection, mais c'est que Pascal Duprat l'a mis au placard. Donc, quand on voit avec du recul les compétences de Pascal Duprat à Saint-Étienne, s'il l'a mis au C'est placard, bon c'est qu'en fait signe. le mec devait être trop bon. Donc, non, moi, Sow, j'aimerais bien ouais, qu'il arrive à se faire une petite place de titulaire, ou en tout cas, déjà, dans un premier temps, qui soit conservé par le club. Et j'en profite tant qu'on est dans ce petit temps mercato. Beaucoup de supporters, c'est un autre débat que je ne vais pas relancer maintenant, à juste titre ou pas, critiquent la présidence par leur inaction, par leur ceci, par leur cela. Je pose une question, moi, Ilan, c'est quoi? Il nous fait un emploi fictif, là, à Saint-Étienne, il se passe des trucs avec Ilan en cellule de recrutement, c'est lui qui va nous ramener les deux recrues offensives d'un de ses voyages scouting, où il est juste venu là, lui, pour attendre la retraite, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a assez peu de résultats par rapport au travail d'Yann. Moi, j'avoue que là, j'ai Non, pas bah, d'infos particulières là-dessus. il est dans la cellule, hein, il bosse, bah, je veux dire, c'est comme Gilot, on a deux recruteurs, alors est-ce qu'ils font un bon travail ou pas, j'en sais rien, mais oui, les deux bossent, les deux vont voir des matchs. Après, les résultats peuvent laisser à désirer, mais la cellule a toujours été plutôt critiquée à Saint-Étienne. Mais oui, il est bien en poste à la cellule. Hein. D'accord, ok. On enchaîne, Clem. Ouais, on passe aux arrivées. La partie la On a plus intéressante. on a eu un très bon article du Progrès hier qui nous dit que avant le match à Quevilly, il y a une volonté de la SSE de faire signer un, voire même deux. Joueur dans le secteur offensif. Donc un de ces deux joueurs pourrait être Tousgar de l'Estaque, avec qui on discute depuis maintenant un certain temps. Et donc voilà, il pourrait venir renforcer l'attaque de la SSE, c'est pas fait ou quoi, mais simplement c'est la piste qui semble la plus chaude à l'heure actuelle. On a aussi eu le nom de Charbonnier qui avait été évoqué par But dans la semaine. Il a été confirmé par le Progrès, mais simple rumeur pour l'instant, rien de concret. J'enchaîne juste avec deux petites infos un peu moins intéressantes. Mais on peut vous parler de Tchekfal. Alors, je pense pas que vous le connaissez, mais c'était un jeune de Gejawai, le club partenaire de la SSE au Sénégal. Il devait venir renforcer la réserve, mais pour l'instant, il a un problème avec son visa. Voilà, des problèmes administratifs et il ne peut pas aller en France. Donc, il est toujours au Sénégal et pour l'instant, il ne s'entraîne pas avec la N3. Et autre dernière info niveau arrivée, Anas Namri. Donc, bah, ça fait 3 semaines qu'on en parle maintenant, qui était à l'essai avec la réserve. Il pourrait signer avec la SSE. Il s'attend à recevoir une proposition du club dans les prochaines heures. Voilà. Ok, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on en avait déjà parlé en disant qu'il était à l'essai et que ça sentait bon pour qu'il signe, mais c'est probablement un joueur qui sera plus destiné à la réserve. Très 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 rapidement, messieurs, Tousgar, Charbonnier,
Les deux sont encore. On sait que les deux plaisent au club. Vous, c'est qui vous plaît le plus? Moi, j'en... Vas-y, je t'en prie, Hervé. Ouais, pardon. Bah, déjà, Charbonnier, bon, on ne le recroisera pas cette année puisqu'il est en Ligue 1, mais c'est un joueur qui, contre nous, à chaque fois, sort des masterclass. Et aller chercher un joueur comme ça, le précédent qui me vient à l'esprit, c'était Nolan Roux, qui réussissait tout le temps des purs matchs face à Saint-Étienne. Bon, on a vu la suite quand il nous a rejoints. Charbonnier, bien évidemment, que c'est un joueur intéressant, mais je trouve qu'il est quand même dans un profil 9,5, un petit peu lui aussi, un petit peu en pivot avec un 9 qui prend les espaces que lui libère et qui met en déviation. Donc, moi, j'ai envie de dire presque ni l'un ni l'autre, mais de trouver vraiment un buteur. Alors, à la limite, un mec comme Crivelli, s'il était débarrassé de ses pépins physiques et s'il voulait revenir tenter une petite pige à Saint-Étienne, ça me. Pourquoi pas? Je trouverais ça pas mal aussi. Charbonnier, trop 9,5 à mon goût, à mon sens. Antoine, d'accord? Plutôt aucun des deux? Oui, plutôt d'accord sur Charbonnier et Tousgard. Même si Charbonnier, si c'était possible de le faire, je le prendrais tout de suite. Après, de ce qu'on m'a dit, c'est que Charbonnier, il n'y a pas de contact. Hein, c'est juste Oui, Laurent Barthez qui apprécie. simplement. Il y a Simplement. C'est un profil qui plaît au club, mais il n'y a rien de spécial pour l'instant. Sachant que. J'ai vu dans le chat pas mal remonter le nom de Garbic. T'as des infos là-dessus? Bah, Garbic, c'était un nom qui était sorti par Peuple Vert. J'ai pas d'infos récentes. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, il y a eu des contacts. Le problème principal, c'était sur le salaire. Mais les contacts, à ma connaissance, remontent quand même un peu. Et on était vraiment, voilà, plutôt sur un problème de salaire. Mais après, j'ai pas eu d'infos récentes. Donc je vais pas m'inventer une vie. Le problème, c'est que il y a quelques semaines, on nous parlait d'un neuf plutôt très complet. Il puisse jouer, voilà, vraiment seul devant. Et là, depuis quelques jours, on nous parle d'un profil très à valeur d'espace, qui peut prendre la profondeur, etc., qui correspond moins au profil de Garbage. Donc, je ne sais Ouais. pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'était une vraie piste il y a quelques semaines. Est-ce que tu as autre chose, Clem? Alors, sur le mercato, non, mais j'ai quelques petites infos au niveau des blessures, parce que je sais qu'il y a certains retours de blessures qui sont attendus. Je vais commencer peut-être par les deux qui vont un peu le moins épier les supporters. C'est Brian Nokoué déjà qui est blessé au genou. Il va reprendre l'entraînement collectif dans une semaine environ. Ensuite, on a Ahmed Sidibé qui avait fait le premier match de prépa, qui était blessé à la cheville. Il a déjà repris la course et il a déjà retouché le ballon. Et pareil, il sera de retour avec le groupe d'ici peu. Ensuite, un retour qui va être attendu, c'est Dylan Chambaud. Il devrait être apte fin août pour soit le match contre Déjà. Valenciennes, soit le match contre Bastia. Donc c'est vraiment de ça va vraiment vite pour lui parce que de base on pouvait s'attendre à une indisponibilité bien plus élevée que ça, mais ça va assez vite. Il sera bientôt de retour aux séances collectives et normalement voilà pour Valenciennes ou Bastia ce sera bon. Ok, Et bonne nouvelle. dernier joueur, Antoine Gauthier, pareil qui avait fait une bonne prépa, il avait pas mal plu aux supporters. Il a déjà repris la course, mais a encore quelques douleurs au niveau du dos. Pareil pour lui, c'est du coup l'inverse. Pour lui, c'est plus long que prévu. De base, c'était vraiment voilà, une semaine et demie, mais ça s'éternise un peu et il a encore quelques douleurs, mais il est quand même sur le retour. Voilà, il a repris la course et tout, c'est sur la bonne voie. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci pour ce point mercato. Pas de souci. Ouais. Ah non, j'ai cru que Non, 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 quelqu'un je disais répondait juste encore. merci beaucoup. Ben, avec plaisir, merci à toi. Est-ce que quelqu'un a un mot à ajouter, sachant qu'on est déjà un tout petit peu en retard, mais c'est ma faute, je l'assume. Bon, ce sera, on a été très très fleuve, non? Ouais, je pense qu'on a été assez exhaustif. En tout cas, merci tout le monde, merci de m'avoir accompagné. Merci Clem pour ton point mercato. Merci Hervé pour ta présence. Merci Antoine également. Merci Karl qui était là pour le chat. Merci à vous, bien sûr, qui nous avez regardé ou écouté en podcast. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission partout en replay, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur la radio des Verts, bien sûr, avec Active. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Alors attention, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on joue le lundi soir. C'est une des particularités de la Ligue 2. Et ben, quand on jouera le lundi soir, ben, le Saint-Étienne Night Club ne pourra pas avoir lieu le lundi soir, mais le mardi soir. Donc je ne vous dis pas à lundi prochain, mais je vous dis à mardi prochain. Et très bonne soirée tout le monde. Salut! Salut Ken, allez les verts! Salut les verts.